partenariat avec Bruno est venu d'une année où j'ai eu un problème pour récolter mon critical pois où ça passait pas dans la machine, donc j'ai décidé de le mettre en andin. Et là, il me fallait que je le valorise ou que je le broye. Donc, broyer des andins, c'est pas forcément du bon boulot, et j'ai proposé à un éleveur, donc Bruno, qui était en bio, comme c'était de la paille bio, je trouvais ça logique. On ne produit pas assez de paille pour le troupeau. Il nous faut trouver environ 25 hectares de paille en andin à presser dans l'entourage, dans le voisinage. Il avait besoin de fumier puisqu'il voulait mettre en place une production de melon bio fertilisé avec du fumier. Donc ça, on avait les deux objectifs atteints à ce moment-là et donc on a mis ça en place. Alors de façon pratique, Alexandre, quand il récolte son critical pois, eh ben, il me passe un petit coup de fil pour me prévenir. Une fois qu'il nous donne le signal, ben, on attend 24 heures, on va presser la paille, on rentre la paille, on pèse les bottes de paille. Et après, on sait qu'on a en mémoire le nombre de bottes de paille qui nous donne un nombre de tonnes qu'on va ensuite multiplier par deux pour calculer la quantité de fumier qu'on lui doit en échange. Au niveau du fumier, donc, c'est l'hiver, quand Bruno a du fumier à sortir de la stabulation. Là, c'est lui qui me téléphone et moi, comme j'ai un peu plus de temps, on arrive à s'organiser pour venir le rouler. On emmène le fumier chez nous. J'ai l'assurance d'avoir un approvisionnement en paille et j'ai besoin de la paille pour pailler mes animaux. Il n'y a pas d'histoire de flamber les cours de la paille. C'est un échange, il n'y a pas d'échange d'argent, il n'y a pas besoin de faire de facture, on n'a pas besoin de se voir pour régler financièrement. Donc c'est un accord qui est assez simple. Ça me permet d'apporter du fumier sur des parcelles qui peuvent en avoir besoin. J'ai la possibilité autrement de pouvoir acheter du compost à côté, mais alors c'est pas la même matière. Le fumier, il y a plus de paille au niveau matière organique. Alors au niveau économique, l'avantage du fumier, c'est que par rapport au compost, il y a moins des montées de prix comme de l'engrais, où ça peut flamber suivant s'il y a des ruptures. J'ai fait beaucoup d'échanges paille fumier avec différentes personnes. Donc par exemple, un éleveur, un céréalier avec qui je faisais tout, jusqu'à l'épandage du fumier, je lui rendais 1,3 tonne de fumier pour une tonne de paille. Mais comme là, il prend en charge, Alexandre, le transport du fumier et l'épandage du fumier, comme ça, je me suis dit, à l'œil de tonne, ça correspond. Mais on n'est pas là à calculer à la virgule, mais on essaie quand même d'avoir un prorata qui fasse que ça soit équitable. Alors pour moi, c'est intéressant de coopérer avec des éleveurs parce que donc sur le GFA de la plante, on est en bio. Et pour moi, un système bio, c'est un système où il y a de l'élevage. Après, sur la rotation, j'ai besoin de mettre en place des luzernes. Pour valoriser ces luzernes, j'ai besoin d'éleveurs. Avec Bruno, ça me permet de lui laisser mes luzernes sur pied. Et après, c'est lui qui s'occupe de faire le foin parce que c'est un métier et l'éleveur maîtrise comme ça sa récolte de foin. Ces échanges-là, ils sont gages aussi de pérennité de nos fermes. Et puis, je sais que si j'ai besoin aussi d'un coup de main à un moment où c'est le cas aussi pour Alexandre, il peut aussi compter sur moi. On se connaît, on travaille un peu ensemble. Et c'est intéressant, on a du matériel aussi qu'on achète ensemble. Avoir des échanges, des partenariats sur mon secteur avec d'autres agriculteurs, ça m'intéresse.